Bonjour les Minecraftiens, ici c'est B35, le Splagger. On se retrouve sur IVMC, un serveur minigames extrêmement populaire. Il n'y a pas grand monde comme vous voyez. Normalement il y a beaucoup plus de monde que ça, ce serveur est extrêmement populaire, mais bon, là, faut croire que les fuseaux horaires, c'est un serveur international hébergé en Europe. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau délire de CLB35. Merci de ne pas manger la boule de slim. Je sais, mes livres sont un peu étranges. J'essaierai de corriger cette texture. Bon, voilà, donc le Splag, pour ceux qui ne savent pas, annonce officielle en F5, c'est un jeu. Voilà, donc ils disent beaucoup de choses dessus. Donc, c'est un jeu qui consiste à... Un spliff, vous savez, c'est quand il faut faire tomber des gens d'une plateforme en cassant les blocs sous leurs pieds. Là, c'est le même concept. Bah, marrant cette animation. Mais il faut tirer des œufs sous les pieds des autres pour survivre. Donc les maps sont d'un design un peu similaire à celui du lobby, tout en hard and clay, c'est magnifique. Et donc on va délirer sur ce jeu-là, toujours en mode délire de CLB, donc avec des actions les plus folles et stupides les unes que les autres. Donc voilà, je vais arrêter de sauter partout et de faire ça va vous donner la gerbe. Donc on se retrouve quand la partie commence. Chiché. Ah, au secours, un champ qui vient vite, faut le taper. Je supporte pas les jika, les kikou. Au secours, Jean-Kevin. Je te tuerai. Bah, reviens à la salle qui coulole. Tu m'énerves. Ni un jeu rattraperai avant la fin du chronomètre. Je l'ai eu. Ah. Donc la partie commence. Donc c'est sur ce saut là qu'on aura notre canon. Donc autant se préparer. Oula, petit coup de frise léger. Ah, bah il y en a déjà un qui est... Ah, d'accord. Hashtag newbie. Ce que je fais est complètement con. Et j'en ai conscience. Je vais tomber dans le vide au bout de 2 secondes et demie. C'est complètement stupide. Suite de coups de bol énormes, je viens de sauter sur un sol perforé sans mourir. Ah, il n'y a pas de canne de propulseur rouge. Oula. Bug de souris léger. Peut-être que c'est aussi ma sensibilité qui est trop forte. Ça, la vie des Under Dragons, c'est un concept qui est pas... Des gens sont éliminés, beaucoup de gens. Et que ça meurt, oh là là. Et si je le passe le suivant, j'ai intérêt à être prudent, mais on est dans les délires de CLB, lalalala. C'était YOLO. Donc je vous présente ce jeu là. YOLO. Ouf. Je sais pas du tout dans quelle direction je vais là. C'est n'importe quoi, wack. C'est n'importe quoi, wack. Bon, ok, je me tais. Mon mouvement est stable et régulier, ce qui est une très mauvaise idée. La. Ouh. Donc c'est du jogging, hein, c'est juste épique. Ouh. Ça me gratte la tête, comment je fais? Tant pis, je me la gratte pas, je me concentre. J'ai eu le temps de me la gratter. Ouh,
YOLO. Falloir s'occuper de l'éliminer celui-là. Oh mince, il m'a vu. Ah c'est bon, on n'est plus que 3. D'ailleurs, il doit y avoir un campeur quelque part parce que... Wouah ! J'étais pas loin. Bande d'enf... Bon, troisième. Pas mal, donc on va dire regarder s'entretuer maintenant. Il y a un campeur. Oh, il est sûr de gagner celui-là. Il va gagner à coup sûr. Avant c'était des blocs de redstone et pas des boules de slime. What? Sa pelle est en diamant. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi sa pelle est en diamant? Vous saviez qu'on pouvait sprinter en volant? Je sais pas si ça sert vraiment, mais bon. GG! The King Inventory, le meilleur achievement du monde. Bon, on va pas les laisser s'entretuer comme ça éternellement. On va reprendre une autre partie. Il y a bien un qui va se déco. Oh bon, on voit. Si vous y tenez. 3, 2, 0. Pas si le monde là. On est pas nombreux à ce temps là. Bref, je vous retrouve quand une partie reprend. Ah, mince, je me suis trompé de bouton. J'ai failli appuyer sur ce panneau. Et hop, on y est. 10. Je suppose qu'il y a de la TNT dans ce drapeau, non. La map s'appelle Gold. Je vois pas ce qu'il y a de Gold ici, mais bon. Là c'est les 3, va falloir jumper. Et ces autres s'entretuer à notre place. Oula. Oh là, freeze. Ah, freeze. Je freeze. Je froid. Merde. Oh. Tiens, on dirait le diamond. Ah, je m'en doutais. Quand on active la TNT, bah ça explose tout simplement. Quoi de plus simple? Je l'ai eu avec la TNT. C'est très drôle. Ouh, c'est juste épique. Ouh. Qu'est-ce que c'est que... Ouh. Et merde. Je pouvais pas faire autrement. Sinon c'était le pain de la vie. C'est épiche. Le sable des âmes c'est lourd. Enfin la sauce. Ah oui, j'en ai éliminé un. Je suis encore vivant. I will survive. Ah ah. LOL XD MD. Oh. C'est stressant. Bon, 4 encore. C'est le moment où ça devient le calme plat. Et où il faut commencer à attaquer des gens. Sinon, ils deviennent lourds à contrôler. En tant que délirant, je vais sauter dans le vide. Non, je plaisante. YOLO. Keep calm and YOLO swag. Et surtout, n'écoutez pas. Si vous voyez la référence, GG à vous. Parce que c'est pas un truc que les Minecraftiens... C'est pas un truc auquel les Minecraftiens font attention en général. Je vous dirai pas la référence, même pas, même si vous me la demandez, je vous ne donnerai pas cette référence. Tiens, je vais faire. What? Ah, j'ai fait un J, je voulais faire un C. Alors ce qu'on va faire c'est... Ah. Trouver un terrain plat calme. Et merde.
Ça y est, c'est pas mon CLB. Ah mince. Je m'ennuyais tellement que j'ai dessiné mon prénom. Oui, oui. Yes. Il est mort. Allez, c'est la finale. Oh, il y a encore le CLB ici. Ah, il est en bas. Il va être un peu plus simple à tuer que s'il était tout en haut. En plus, il vise mal. Et les coups cerises, par contre, c'est dérangeant. On est obligé de rester un peu immobile pour viser et tirer. Mais le problème, c'est que quand on est immobile, on est des cibles faciles. On n'a à peu près aucune chance de tomber si on court. Si on se prend des œufs en pleine tête, on n'en meurt pas. Comme vous pouvez le constater. Ouf. Ouf, c'était YOLO. YOLO, YOLO. Ah, c'est passionnant, hein. J'ai essayé de trouver un jeu délirant et lol. Et WTF aussi, accessoirement. Merde! Oh là là. Voilà, partie terminée. Back to hub. Bon, et ben voilà, c'était c'est la fin de cette petite vidéo. Je voulais pas aller vraiment trop long. Diamond Shovel Upgrade. ...2000 tokens juste pour avoir ça. Ça sert à rien. Stealthy Perk, 5000 tokens. Gain a passive perk. Take a chance of spawning a stealthy ship that flies around for Earth. Then explodes. Rainbow. Ouais, donc en gros, j'ai largement pas assez de tokens pour ça. Celui-là, il s'est pas installé des mods. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Bien évidemment, en description, vous aurez le, l'adresse du serveur. Donc le serveur, c'est ivemc.eu, si jamais j'oublie de le mettre. Oula, j'aime bien ce plugin là qui fait des... Les trucs, d'ailleurs on peut faire le trampoline si on veut avec ce truc. On peut rebondir à l'infini sur la plaque de pression. Du moment que tu regardes en bas, ça marche. En fait, ça dépend de l'orientation de la souris et pas d'où tu viens que ça fait ça. Par exemple, si je fais ça. Youhou! Voilà. Des petites balles à faire des bruits de chasse, c'est trop marrant. Bon, sur ce, je vais vous dire au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et blablabla et blablabla, le train-train quotidien. Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB.